Télématin continue. Merci d'être des nôtres. Regardez ce joli plateau. Sylvie, Henri Jean et... Je ne vais pas vous vexer si je dis le plus sportif d'entre nous, Greg. Non, ça, bon, vous pouvez y aller. Très bien. Grégoire Tournon qui va ce matin nous chercher des crosses, puisque nous allons parler de hockey. Vous avez testé du hockey, mais attention, Greg, pas n'importe quel hockey, le hockey féminin, hockey sur gazon féminin. Les femmes ont une. Dès qu'il y a des filles, il y va. Non, mais c'est super bien. Il y a la Coupe du Monde féminine de foot, en plus. Grosse actu. Oui, grosse actu pour les filles en hockey féminin. Il y a le printemps du hockey féminin, donc avec plein d'initiatives dans les clubs, et surtout, à partir d'aujourd'hui, l'équipe de France, les joueuses de l'équipe de France vont disputer une compétition internationale qui est qualificative pour les JO 2020 qui s'appelle le FIH Series Final. Ça se passe en Irlande du Nord. Alors, il faut savoir que le hockey sur gazon est sans doute le sport de balle et de crosse le plus vieux du monde. Voilà, on a retrouvé des traces en Perse 2000 ans avant Jésus-Christ. Au Moyen-Âge, c'est un sport qui a même été interdit. Il était tellement populaire qu'il a été interdit parce qu'il faisait de l'ombre au tir à l'arc, qui était essentiel pour la défense du pays. C'est un sport olympique depuis 1908 pour les garçons. Seulement 1980. Pour les filles, il y a 150 clubs, 11 000 licenciés, 30% de femmes. Et c'est le seul sport féminin d'équipe qui se joue en jupe. Et elles le revendiquent. Elles sont très contentes. Alors moi, j'ai eu le droit de garder mon short parce que je porte très mal la jupe. Un petit joueur. Non, la jupe, ça ne va pas du tout. J'ai vu des photos. Oui, je sais, les photos, on ne les ressortira pas. Qui passe sous le manteau. Un jour sur la jupe. Un jour sur Instagram. Voilà. Et en tout cas, j'étais avec ces jeunes filles à Wattignies, qui se trouve dans le Nord. Ouais. Elles s'entraînaient là-bas. Et en hockey, j'étais mis KO. Yeah! Oh. Ah bah oui, la balle! Oh, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Non mais je prépare le gazon pour jouer au hockey sur gazon! C'est du synthétique? C'est du synthétique? Ouais. Ah bah je peux continuer. Allez. Le hockey sur gazon est un sport collectif qui se joue à 11 contre 11 avec un gardien de but et 10 joueurs de champ. En l'occurrence, 10 joueuses de champ puisque c'est l'équipe de France féminine. Bonjour, capitaine. Moi. Tu t'appelles ? Emma. Je peux marquer des buts ? Pas tout de suite. On va d'abord voir comment on sert d'une crosse. Je la tiens bien là ? Là, c'est bon. On a le droit de jouer qu'avec cette partie-là de la crosse. Ça s'appelle le bec. Mais tu peux jouer aussi avec ici, que le côté plat. T'as pas le droit de jouer avec le backstick ici. Backstick. Ça, c'est interdit. Interdiction. La taille d'un terrain, c'est à peu près un tout petit peu plus petit qu'un terrain de foot. En longueur, ça fait 91,40 m et 55 m de large. Et avec des buts qui sont un petit peu des buts un tout petit peu plus grands que des buts de handball à peu près. Je peux te proposer de faire un petit exercice ? Tu marques pas de but ? Non, pas encore. On va faire un petit slalom d'abord. Slalom, ok. Très simple, donc passer entre les plots, coup droit, revers. Parfait. On peut baisser un peu là. Ouh là 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 là. Pas de backstick, hein? Non, pas de backstick. C'est super chaud, en fait. Et vraiment, la crosse doit tourner entre la main droite. Pour être une bonne hockeyeuse, il faut surtout une bonne base physique pour pratiquer ce sport au très haut niveau. C'est un sport qui allie de l'endurance, mais aussi beaucoup de vivacité sur les appuis. Le rythme et le tempo est extrêmement élevé chez les filles, et donc elles travaillent beaucoup pour ça. Bon, je suis pas très bon slalom. Contrôle, je vais être meilleur. Ouais, ça va être un peu plus difficile. Ah. Parce qu'on va faire des contrôles coup droit, mais aussi contrôles revers. Et ça, c'est plus difficile. Je suis chaud. Allez, vous pouvez y aller. Vous voyez les patates, hein. Ouais, pas mal. C'est bon, ça. Ok, on essaie de passer au revers. Passe au revers. Plus difficile, hein. Ah. Ouais, pas mal. En fait, c'est une grosse balle de golf. Ouais, mais c'est pas une balle de golf. On va t'apprendre un geste, donc le shoot, pour marquer des buts. Donc le principe... Comme une patate, là. Ouais, mais les deux mains en haut, serrées. Et ensuite, taper le plus fort possible dans la balle vers le goal. T'es prêt à t'en prendre plein la figure ? Vas-y, quand tu veux. Je suis chaud. Ouais, bien. Ouais, pas mal. C'est un sport très convivial. Il combine les capacités physiques, les capacités techniques, les capacités tactiques. C'est un sport extrêmement complet. Pour ceux qui aiment les sports collectifs, voilà, venez essayer. C'est bon, je peux intégrer l'équipe ? Ouais, on va appeler quelques copines, là, puis on va faire un petit match. Ok, je suis chaud. C'est bon ? Au taquet. Les filles, vous venez ? Pour les vétérans ! C'est moi le vétéran ? Ouais. C'est dégueulasse. Vas-y, Greg.
trophée collector. Ah, c'était génial. Elle nous a mis une raclée. Ah, oui. Oh là. Ce qui est génial, c'est que j'avais eu le même en hockey sur glace, donc voilà, avec l'équipe de France. La tenue vous va ravir, Greg. Laquelle? Les chaussettes ou la... Celle-là. Vous êtes beau. On me l'a prêtée, elle est magnifique. Bah oui, je voudrais remercier Emma, Élisée, Julie, Mathilde et toute l'équipe hein, qui, bien sûr, était là avec moi et la manager Carole. Alors, les Bleus vont commencer leur compétition, là, les FIH Series Final à Banbridge, en Irlande du Nord, face à l'Écosse. Et il y aura la même compétition pour les garçons, donc toujours FIH Series Final. Ce sera à partir du 15 juin et ce sera au Touquet. Toujours qualificatif pour les JO de 2020 à Tokyo. Vous avez vous entraîné hein, là pour... Ah là, j'ai dû... Pourtant, j'avais joué hein, quand j'étais petit. Oui. Mais je m'en souvenais plus. Mais c'était il y a... Ouh là. Siècle dernier. Ouf, une éternité. Merci beaucoup, Grégoire.